Salut à tous, c'est le Gratteur Fou. Aujourd'hui, on va se retrouver pour tester une machine à sous que j'ai jamais testée précédemment, qui s'appelle Hammer Gods. Alors, pot de départ 3005. On va attaquer avec des mises à 20. Alors, pile ou face, chance ou malchance. C'est une machine à sous comme une autre. J'imagine que des fois ça paye que dalle. Alors, on va voir pour cette partie. On va avoir un petit élan de générosité de la part de ce jeu pour une première partie. Alors voyons voir. Là d'entrée, on s'est tapé pas mal de spin perdant. Alors, on va tester quelques spins à 40. Bon, bah, pile poil dans la série de spins perdants, donc c'est pas très avantageux. Alors, un petit marteau. Un petit bonus peut-être. Ah! Alors intéressant, sur une mise à 40 balles. Allez, vas-y, vas-y. 10. Alors espérons que ça puisse raquer du lourd, c'est quand même des spins à 40 balles, donc ça pourrait éventuellement être correct. D'accord, changement de symbole, des wilds. Alors qu'est-ce qu'il va nous filer ici? Dommage pour le rouleau 2. Alors c'est bien beau les changements de symboles et jokers, mais pour le moment c'est 0 win. Alors toujours 0 win. 0 win, 0 win, 5 free spins de restant. Oh bah super content d'avoir gagné les free games, mais zéro win pour le moment. Ah, changement de symboles identiques. Petit joker ici. Alors, l'unique big win peut-être. J'espère qu'il va être bien big quand même. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, il aura au moins raqué un win à 1006. Alors, est-ce qu'il peut faire mieux? Alors, qu'est-ce qui va me changer lui? On a du wild ici. Hop. Alors, re-big win, j'imagine. Eh ben, tant mieux sur les derniers free spins, parce que les premiers, c'était du triple zéro pointé. Alors, le dernier. Un petit coup de marteau peut-être. Ah. Alors, ça va être peut-être pas mal. Peut-être même pas mal du tout. Bah, apparemment ce jeu il payait pas de mine d'entrée en début de partie, mais là sur les derniers free spins, joli coup de générosité. Bon, bah, ça du coup d'entrée on a bien fait exploser la balance, donc c'est pas mal. 5500 balles. Il nous restait 3108, on va monter à 8006. Alors mise à 20, on va se calmer un petit peu, bah, ça c'était joli. Franchement, à vrai dire, je le sentais plutôt mal ce jeu. Je me disais, tiens, il semblerait que ce soit pas un très bon choix. Bon,
toute façon, toutes les machines à sous ont un comportement aléatoire, donc autant des fois ça paye que dalle, des fois ça se met à payer du lourd, c'est totalement imprévisible. Ah, en tout cas, joli score ici, donc ça c'est un truc bien sûr, j'imagine qu'il pourra faire râler un petit peu le casino. Au grand plaisir du joueur. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il me reprend une série de spins perdants. Alors, est-ce qu'il pourrait me faire le coup de la chance du débutant de me rebalancer un deuxième round de free spin assez rapidement? Sinon, hors free spin, sur le jeu de base, il y a pas mal de parties perdantes quand même, il y a des bonnes séries. Enfin, comme on dit, on va pas se plaindre, on a atteint le chiffre 8 ici, donc c'était quand même un sacré coup de bol. Après le bonus free spin, de réduire les mises à 20, je pense pas que c'était une mauvaise idée. Et ouais, vu la tannée de série de spins perdants que le jeu y balance. Alors, chiffre 8, on va passer en dessous. Ouais, je pense que je vais me fixer une limite vers les 7005 si ça perd. Enfin, si ça continue dans ce lancer. Alors, un seul marteau, il nous en manquait un, dommage. Alors, Wild. 108. Bon, j'aurais bien aimé qu'il me pende le deuxième marteau, mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, un. Un petit deuxième, s'il te plaît. Alors dommage, qu'est-ce qu'il va nous pendre? Du joker, symboles identiques. 240. Retour du chiffre 8. Alors big win, 400. Donc quand même, il s'est mis à raquer quelques gains sur le jeu de base, il était temps. Alors, on s'approche du chiffre 9. Est-ce que par hasard on aurait la chance de pouvoir l'atteindre?
Dommage pour le rouleau 4. Alors 8007. Est-ce qu'on arrive à avoir un chiffre 9 ici ou éventuellement un petit peu mieux, une balance à 5 chiffres. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire l'honneur de nous reprendre les deux marteaux pour les parties bonus? Vas-y, vas-y, dommage. Une petite montante, limite fixe à 8000. On va pas aller plus haut que 60 quand même. Ah ouais, là je sens la série de spins perdant. Alors 8036, je m'étais fixé une limite à 8000, alors on va rester là, dernier spin. Petit bonus pour le dernier, non dommage. Bon bah c'était quand même pas mal, de 3005 passer à 8000, c'est une sacrée performance, ça arrive pas tous les jours avec les machines à sous. Donc il est d'entrée là-dessus. Alors, est-ce qu'ils vont me refaire le coup de me pendre les deux marteaux pour gagner les free games, le bonus free spin, ce serait pas mal. C'est vrai que sur le round 1 de ce jeu, quand même, les free spins étaient bien généreux. Alors, on va tenter, mise à 60. C'est un peu flippant sur ce jeu d'envoyer des mises à 60 parce que des fois il balance de très longues séries de spins perdants, mais bon, on va voir. Un petit coup de chance peut-être. Allez, vas-y, vas-y, le deuxième, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le petit rat. Alors, symboles identiques. Ouais, je pense que ça va être un win pas trop mal. 360. Bien qu'il me pendent des symboles bonus sur un spin à 60 balles, mais bon, ça c'est bien sûr pas garanti. Alors on va quand même pas flinguer le bénef du round 1 sur ce jeu.
Alors, chiffre 6. Pas mal. Hop, 414. Bon, j'attends les parties bonus, mais bien sûr, c'est pas garanti que je puisse les gagner. Les marteaux, ça fait un moment qu'on les voit plus. Bon bah, joli redescend. 31, j'étais monté à 8016. Là, je suis à 6512. Ça va continuer de descendre, est-ce que ça va remonter? Ça, c'est aucune idée, pile ou face. Allez, vas-y, pour moi les free spins. Alors, quand ça veut pas, hop. Allez, chiffre 5 sur la balance. Alors, il y a quand même de très longues séries de spins perdants, donc ça c'est un petit peu flippant. Alors, dommage, dommage. Petit espoir. Ah ouais, là, on est passé en dessous le chiffre 5. Alors, je vais quand même réduire les mises à 40. Là, de super longues séries de spins perdants, puis ça a flingué une bonne partie du bénéf de la partie précédente. Allez, le retour. Joker aléatoire. Alors du wild. Est-ce que ça sent le raquage du big win? 732. Quand même pas redégringoler à 3005 le pot de départ. Enfin, on dirait que c'est parti pour là.
pour lâcher les marteaux, c'est pas évident. Alors j'attends toujours les deux marteaux pour que ça envoie le bonus bonus free spin, mais apparemment. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, j'espère que c'est la bonne. Pour moi, le deuxième. Malheureusement. Alors, symboles identiques. Joker aléatoire. Ouais, 270. Allez, retour du chiffre 5. Il serait peut-être temps que je me fixe une limite vers les 3500, 4000 si ça perd, donc retour vers le pot de départ. Enfin, ce serait sympa si nous balançait les parties bonus entre temps. Allez, c'est la bonne, on y croit. Et ben voilà, c'est la bonne, 4604, free games à 60 balles. Sans déconner, celle-là il aura fallu aller chercher. 10. Allez, 10 free games à 60 balles. Espérons faire une jolie remontée. Sans déconner, celle-là de free game il aura fallu aller chercher. Parce que avant que le jeu il éponde. Ah! Sache, sans que ça va raquer du lourd. Il a mis deux coups de marteau, je pensais pas qu'il allait en balancer un deuxième. Alors, super win, monster win, méga win. Et ouais, 3003. Voilà, quand même, sacré baston avec ce jeu pour gagner le deuxième round de free games sur ce round 2. C'était pas gagné d'avance. Allez, 5 free spins de restant. Allez, change-moi tout ça. Oula. Oula, oula, oula. Alors, ça, ça va être sympathique. 2250. Bon, ne pas oublier que c'est des mises à 60 balles, donc... Joker ici, rien. Deux free games de restante. Bon bah après ça, arrête partie direct. Je pense qu'en retrait partiel ça ferait pas de mal parce que si on garde tout on risque de tout se faire plumer sur les prochains jeux. Et vu que c'est relativement rare d'avoir des coups de chance sur ce genre de jeu quand même, quand la chance est là, vaut mieux en profiter. Alors, jolie pépette. Ah, full symbole. Full symbole, full symbole. Là, celui-là, il va être bien. 9. Oula. Sans déconner de bordel de sa grand-mère de chiotte. Excuse-moi pour les gros mots. 14 000 boules sur des mises à 60 balles. Pourtant, ce deuxième round de free game, il aura fallu aller le chercher. Alors là, ça y est, ça m'a retourné les neurones.
Eh bien, Murgoz, merci à vous, franchement, pour un premier essai, round 1, round 2, c'était plus que magnifique. Bon, ben là, pause neuronale, retrait partiel, éventuellement, on continuera un petit peu plus tard les parties, mais là, quand même, je précise, un gros coup de chance, les missions élevées, donc, enfin, je préfère faire cette précision. C'est pas évident de gagner avec ce genre de jeu, ça relève de la chance, du hasard. Et là, c'était quand même très risqué d'envoyer des hautes mises, ça commence à bien flinguer. Ce qui restait dans la balance. Bon, bah, coup de bol quand même, les free games sont sortis, full symbole. Au final, ça raquait du très très lourd. Alors, on va attaquer avec des mises à 20, c'est parti. Alors, hop, mise à 40. Symbole free spin statique. Et on n'a pas les autres. Bon bah super jolie balance. J'espère que ce jeu il va pas trop la flinguer quand même. Parce que là, enfin on est en début de partie, mais. Donc il est d'entrée sur une série de spins perdants. Cent quatre-vingt-seize. Allez, mise à 60. Alors 216. Retour des mises à 40. Les free spins, apparemment, c'est pas encore l'heure. On a deux symboles, un petit troisième peut-être. Mmh, 60, 80. Alors, on va essayer à 80. Alors, si ça pouvait sortir ici. De toute façon, la fin de la partie sera pile ou face. Si la balance elle aura gonflé, je vais me dire tiens, bah, tant mieux, j'ai bien fait de continuer. Si la balance elle se fait défoncer, tiens, bah, j'aurais bien fait de faire un retrait. C'est toujours pareil. Alors, un petit free spin sur une mise à 80 balles, ça serait pas mal. Qui se passe, rien du tout. Alors j'avais commencé un peu plus de 19 500. Le troisième. J'espère qu'il va pas me faire. Ben voilà, j'ai pas fini la phrase. Il m'a fait le coup du rat. Ouais, c'est bien beau d'avoir un symbole free spin statique, mais c'est tellement rare pour avoir les deux autres. Entre-temps, ça enlève un symbole sur le jeu de base. Petit leurre ou le troisième, le petit. Eh ben le troisième, pas de petit leurre ici. Alors, sympathique, 17 366. Combien? 10 free spin. Allez, le symbole magique, qu'est-ce qu'il va nous filer? Ok, le carreau. Alors, on va voir ce qu'on va voir. 17 366. D'accord, changement de fin, déplacement de symbole. On n'en a pas mis beaucoup. Au trigger peut-être. Allez, vas-y, 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 dommage.
Ah, rouleau 5. Alors, voyons voir. Là, ça sent le big win. J'espère qu'il va être bien big quand même. C'est des mises à 80 balles. Faudrait que ça rack en conséquence. Allez, 6 spins de restant. On a raté le retrigger. Ça nous vire deux symboles sur le jeu de base. Alors, hop, il aurait pu en mettre un petit peu plus, mais bon, quand même. Alors, 3 spins de restant. 2304 de win, c'est un gros win, mais par rapport au miss, c'est un petit peu léger quand même. Voilà le symbole free spin qui me bloque un symbole du jeu de base. Bon, c'est la règle. Et ben, du coup, on était sur le dernier, 3376. Du coup, on se tape un joli chiffre 2, voilà. Mais on va pas en rester là. Bon, certes, coup de bol, les free spins sont sortis, mais je suis un peu déçu par le ratio des gains par rapport aux mises. J'aurais pu souhaiter que ça racle un petit peu plus. Alors, deuxième round de free game, le coup de la chance du débutant. Ou le leurre infernal. Alors, leurre infernal, deux symboles statiques. Dernière chance d'avoir le troisième, il n'est pas là. Et bien voilà, on leur dit au revoir. Une petite descente, une jolie remontée avec un chiffre 2. On va voir comment ça va se dérouler pour la suite. Gagner jusqu'à plus de fois 5000, ce serait pas mal. 5000 fois 80 serait monstrueux. Mais bon, ça c'est relativement rare, c'est un peu comme au loto. Il faut beaucoup de perdants pour payer les quelques heureux gagnants. Alors 19,586 de balance de départ. On avait fait un petit bénéf, le bénéf il s'est barré. Alors à quand deuxième round de bonus free spin? Dans pas longtemps, dans très longtemps. C'est les questions sans réponse. Et voilà, hop. Le troisième, dommage, dommage. Pas de respin avec les symboles free spin. C'est clair que les séries de spins perdants, là ça pique, la balance elle se prend une sacrée tarte. Alors symbole statique, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir les deux autres? Ce qui est peu probable. Voilà, on a eu la réponse. Alors qu'est-ce qui se passe ici?
Alors un petit bonus. Ah d'accord, ok. Alors combien 960. Bon, pas mal le bonus de changement de symbole, mais j'aurais préféré avec un high symbole plutôt qu'un symbole qui paye pas beaucoup. Le free spin, je crois que ça va coûter cher avant d'éventuellement les gagner. Je dis bien éventuellement. Le miracle qui est pas là. Et ben voilà, sans déconner. 14 926. Bon, après ça, ça arrête partie directe. Parce que là, quand même, je me disais, tiens, je vais me faire flinguer cette jolie balance. Alors, qu'est-ce qu'il va nous filer? Le carreau, petit symbole. Allez, c'est reparti pour 10 free spins. Un petit retrigger serait pas de refus. Alors, il m'en est pas beaucoup. Bon, j'espère que les free spins vont nous faire une belle remontée quand même, parce que c'était un petit peu tendu du slip la redescente. Voilà, il en reste 6 avec celui-là. Pas voulu m'en placer deux ici. Un petit retrigger serait magique, mais serait quand même assez miraculeux, donc j'y compte pas trop. Alors la dernière. Eh ben voilà, 2928. Joli win, mais quand même pas terrible par rapport aux mises à 80 balles de spin. Alors du coup on remonte à 17 854. Bon ben là je vais quand même lâcher l'affaire, hein, parce que là quand même c'est un petit peu flippant. Bon, je pense qu'il vaut mieux passer par la case retrait, puis éventuellement je n'ai jamais testé précédemment. Alors mise à 20, hop. On va voir ce que va donner ou prendre ce jeu. Alors c'est pas mal ce système de changement de symbole, j'imagine que de temps en temps ça doit rapporter des jolis big wins, mais pas très souvent. Bon là je vais quand même pas trop abuser sur les mises élevées, parce que la balance sinon elle risque de vite partir. Alors cacahuète, on va tenter des spins à 40. Alors, est-ce qu'on va arriver au changement de symbole avec plusieurs wins cumulés? Alors, oui,
voir. Alors 72. 120. Alors qu'est-ce qu'on a donc? Petit dragon bonus. Avec du big symbole. Alors win 300, 312, c'est pas encore fini apparemment. Alors c'est reparti pour le dragon. Alors 2 wild. Ok, bah du coup 360 de win cumulé. Ça va remonter haut ici aussi. Ah, deux jokers, on va voir le coup du dragon. Alors on a 136. Oula, qu'est-ce qui m'a pendu le petit rat? Ah, ça paye que 40, d'accord. Je pensais que ça allait raquer éventuellement du lourd. Alors du coup 2768. J'avais commencé à 2854, donc je suis pas très loin de la balance de départ jusqu'à présent. Pas mal de symboles changés. Un petit deuxième joker pour le coup du dragon peut-être. Et ben voilà, en parlant du loup. Alors qu'est-ce qui va nous pondre ici? Allez, vas-y, si tu pouvais te lâcher. Alors 320. Ok, c'est reparti pour le dragon. Ah, c'est pas mal, 652. Alors qu'est-ce qui va nous pondre celui-là? Ah bah encore un joli truc, en plus qu'on a un wild ici. 800 balles, 800 balles, 800 balles. Big win. Alors 1456. Ah bah du coup c'est pas mal, chiffre 4. Je vais baisser un petit peu les mises après quand même, ne sait-on jamais. Les retentatives, mise à 40. Bon bah quand même, joli bénéf. Je rappelle, j'avais commencé à 2854. Alors je vais tenter de ne pas me faire bouffer le bénéf en poursuivant cette partie, mais ça c'est jamais gagné d'avance. Est-ce qu'il va nous refaire le coup du dragon avec du joli win à la clé si possible. Alors les wilds on n'en voit plus trop. Alors un ici. Et ouais, il faut apparemment deux wilds côte à côte pour que le dragon y balance des petits bonus aléatoires.
les 60 tentatives. Alors, qu'est-ce qu'il va me pondre ici? 6,20 € de plus. Bon, malheureusement, le bénef, il est en train de se barrer. On avait dépassé la barre des 4000. Alors, un wild. Ah, double wild. Allez, c'est parti, hop. Est-ce qu'il va nous prendre un beau truc? Alors, 4 wild ici. Allez, encore un petit tour. Alors, si tu peux rebalancer du wild, c'est pas mal, un symbole identique. Allez, double wild. Alors on a 244, est-ce qu'on va pouvoir cumuler encore des wins sympathiques? Ah ouais, dommage, ils sont pas à côté, donc 264. Alors du wild, ok cool, deux wild à côté. Alors du coup, hop. Alors est-ce qu'ils vont se remettre à côté par hasard? Hop, on dirait que oui. Allez, c'est reparti. Alors si vous pouvez me faire gonfler le montant des gains, ce serait pas mal. Ça c'est pas top. Ok, 264, 3442. On n'est pas encore passé sur la barre des 3000, mais ouais, ça va pas tarder. Ça y est, on y est. Bon, bah, ça y est, le bénéfice est barré, bien dommage. À peu près 1200 balles de bénéf que le jeu il a rebouffé par la suite. Bon, c'est un coup classique de la part des machines à sous, c'est pas surprenant. Alors, est-ce qu'il va me reprendre du joli win? Bon, 76. Bon, ben, je vais me fixer une limite à 2000, je pense, dans ces eaux-là. Il sera temps de lâcher l'affaire.
ça m'étonnerait qu'il me file un gros win pour remonter le tout, ça sent mal barré. Donc bientôt arrivé à 2000 balles, arrêt de partie direct. Alors on va terminer sur un spin chance à 60, ça passe ou ça casse. Alors 18, avoir un de plus. Donc voilà, 2000 balles, ouais dommage, bénéf en début de partie, bénéf cramé et petite perte. Enfin plutôt jolie perte. Ok, mise maxi à 40, on va tenter des mises à 20. Alors un petit bonus d'entrée. Ok, 60 balles, pas énorme. Bon ben micro bénéf d'entrée, c'est pas évident que ça dure. Ah ouais, les symboles free spin, jeter un petit coup d'œil aux règles. Apparemment il en faut 5 mais de façon adjacente, rouleau 1, 2, 3, 4, 5 donc... Ça va pas être évident, idem sur toutes les autres machines, c'est jamais évident de décrocher les parties bonus. Alors, 3 symboles. Alors, un de plus. Allez, on va le tenter en mise maxi à 40. Ouais, pas de bonus ici. Alors, free spin, ce serait pas mal. 2 ou plus. 1 ou plus. Bordel à chiottes. Et il est là, voilà, free games. Free games à 40 balles. Alors ça, c'est cool. On est quasiment en début de partie. On est pas très loin de la balance de départ. Alors, au total, 10, 12. Allez, go pour 12 free spin ninja. Espérons que ça puisse raquer du lourd. Sans mise maxi à 40 balles. Alors, super ninja, joli bonus. Qu'est-ce qu'il va me filer ici? Du big symbole. D'accord, big symbole. Dommage pour le rouleau 4. On n'est pas les mêmes symboles. Alors, big win. 720. Bon, ça, c'est un gros coup de bol d'avoir gagné les parties free games. Quasiment d'entrée en début de partie. Alors, big symbole placé ici. Tout dépend de ce qu'on a roulé un ou deux. D'accord. C'est reparti pour un big win. Alors, combien 5, 6, 7... Ça dépasse les 1000 balles. Bon ben ça c'est pas mal, c'est opération renflouage de la balance, que c'est un peu risqué d'enquiller ce genre mise maxi. Oh, d'accord, d'accord, là ça change tout. 5384 de win jusqu'à présent. Elle a l'air sympa cette machine à sous, enfin, par rapport à ses options bonus, tout ça, c'est pas mal. J'avais jamais testé ce jeu précédemment, mais je pense que ce sera retesté. Alors, Wild x2, Big Symbole, avec le Wild x2 à la clé. Alors, du coup, c'est reparti. 720. Alors avec tout ça, 5 free spins de restant. Allez, le petit ninja, lâche-toi au niveau des bonus. Alors, dommage pour le rouleau 4. Alors, Wild x2. Il va nous pondre son big symbole. Parfait, il est bien placé. Alors si
peut me prendre des étoiles, c'est bingo, ben non, dommage. Ah, je pense que le casino, ils vont un peu faire la gueule quand ils vont mater leurs statistiques, voir un petit peu. Ah, ben, tant pis pour eux et tant mieux pour moi, hein, tout compte fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font ici? D'accord. 1620 en plus. Alors, est-ce qu'on va avoir le même symbole? Eh bien voilà, il est ici. Est-ce qu'il prend dans la lignée? Oui. Bon ben magnifique de chez magnifique, 8000 balles la mise. Bon, certaines machines, il y a les mises maxi à 100, d'autres à 40. Parce qu'éventuellement, avec des mises à 100 balles, le jeu risque de trop payer. Donc, enfin, par rapport au calcul mathématique des jeux, c'est pour ça que certains ont des mises plus ou moins élevées. Alors, balance à 5 chiffres, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va poursuivre un peu la partie, mais je pense qu'une autre opération retrait partiel ne serait pas une mauvaise idée. Et on va voir si on a un coup de bol pour éventuellement gagner un deuxième round de Free Games. 5 adjacent à partir de la gauche, ça envoie les free games 5 ou plus. Alors un petit bonus histoire de garder la balance à 5 chiffres. Alors, malheureusement on n'a pas les mêmes symboles ici. M'étonnerait que je puisse garder la balance à 5 chiffres, mais bon, on sait jamais. Il suffit que le jeu ira quelques trucs sympathiques. Et on conserve les 5 chiffres. Alors, Super Ninja. Eh ben, le Super Ninja, il me rebalance les free spins. Ok, je m'attendais pas à ce bonus. 5, 10, 12, 13. Bon bah après ça je pense que ouais je vais quand même lâcher l'affaire parce que le jeu il aura été assez généreux comme ça. Alors est-ce qu'il va me pondre des wins monstrueux comme lors du premier round de free spin? Ça c'est à espérer. Alors pour le moment le ninja il se lâche pas trop au niveau des bonus, enfin au niveau des petits trucs aléatoires qui peut filer. Il n'y en a que 3. Pas de quatrième ici. Alors après celui-là, 8 free spin de restant. Il va bien quand même nous prendre un joli truc sympa. Parce que là c'est clair que c'est un peu le jour et la nuit entre les précédents free spin et ceux-là. C'est niveau win, rien à voir. Alors, big symbol bien placé ici. File-moi du Z, le Z de Zoro. Et dans le cas, 792 pour le moment. Allez, Super Ninja, lâche-toi un petit truc sympa. Ah bon, ça c'est pas top. Surtout que les mêmes symboles ils s'arrêtent à partir du rouleau 4. Ah, un free spin de gratté, c'est toujours ça. Alors on n'est même pas à 1000 balles. Super Ninja il arrive. Et ouais, malheureusement. Dernier spin, bon ben 1024 de gagné, c'est clair que c'est un peu le jour et la nuit comparé au précédent free spin. Alors, troisième round, ah, fallait pas rêver. Bon, je vais quand même me fixer une limite à 10 000 balles, on descendra pas plus bas. Donc là, cette partie, c'est un bon exemple du côté aléatoire des machines à sous. On a eu deux rounds de free spin.
Un round qui a payé ouais, 1000 balles, puis l'autre 10 000, donc c'est clair que c'est le jour et la nuit niveau win. Voilà, on pourra dire que la première partie free spin c'était franchement hyper chanceux. Alors, chiffre 11, on y était. De toute façon, 10 000 boules, c'est ma limite fixée, on n'ira pas plus bas. Alors, soit le jeu continue à nous faire grimper la balance, soit ça dégringole à 10 000, puis ça arrête parti, on verra bien. Alors, ninja bonus. Ouais, pas de six of a kind, mais 400 balles quand même. Bon, bah, pas mal le ninja way, c'est sympathique comme machine, sera retesté. Alors, ce serait l'embellie de gagner un troisième round de free spin sur ce jeu, mais bon, quand même, les élans de générosité de la part de ce genre de jeu, c'est un peu éphémère, ça dure pas très longtemps. Enfin, des fois ça dure, mais c'est quand même un peu rare. Alors, rouleau 2. Si il pouvait me les raquer un de plus, eh ben non. J'avais presque cru. Alors, petit bonus ninja. Alors, on est presque sur un chiffre 11. 74 balles près. Alors, rebonus, non, petit leurre. Alors 3 plus 3 ici. Oh, joli sur le rouleau 1. 240. Alors, on avait re-atteint le chiffre 11. Quand même, commencer une partie à 2000 balles, finir à 10 000, c'est pas tous les jours que ça arrive. Alors, un de plus, dommage. Ah ouais, le 1 de plus, fallait qu'il soit sur le rouleau 2. Deux ou plus. Et ben voilà, il n'était pas sur le rouleau 2 malheureusement. Alors, il en a remis une couche en bas. De toute
façon, je lâche pas l'affaire tant que ça n'a pas dégringolé à 10 000. Je poursuis la partie. Allez, une petite doublette. Alors, 400, 10 800. Peut-être que si j'arrive à 11 000, faire un arrêt de partie serait pas mal. Alors, peut-être que Ninja il va nous y aider. Ok, il nous manque 34 balles pour arriver à 11 000. Et on va finir la partie sur un troisième round de free spin, ce serait l'embellie, mais on va pas se faire trop d'illusions quand même. Alors le ninja bonus, on le voit plus. Les deux manquants qui sont, ben voilà, un rouleau prédécalé. Alors 10 458. Je pense que bientôt ça va dégringoler à 10 000, donc arrêt de partie dans pas longtemps. Bon, en tout cas, ce jeu Ninja Way, ça va mettre quand même dans les favoris, c'est pas mal. Voilà, c'est pas très avantageux. Alors 10 154. Alors un petit bonus ici, pas grand chose. Un dernier spin à 20, on conserve la balance à 5 chiffres, si ça perd on se barre. Bon ben voilà, ben du coup on va se barrer à 10 010, petit retrait partiel, ça ferait pas de mal. Bon quand même, 10, 20, 40, on va commencer à 20. Bon alors celle-là, pareil, machine à sous, si mes souvenirs sont bons, j'ai jamais testé précédemment. Alors, hop. Zéro win pour le moment. Alors zéro win, on va tenter ça. Bon bah apparemment les zéro win c'est pas encore fini, donc c'est la balance qui en subit les conséquences. Je vais quand même baisser les mises parce que là quand même longue série de spins perdants, difficile de faire pire. Alors est-ce qu'il y aura au moins un win? 120. Donc le jeu il a bouffé 1000 balles, il a refilé 120, ok. Ben oui, il nous faut le troisième pour... Alors, le petit bonus Jester Spins. Espérons que... Voilà, j'arrive même plus à parler. 10 Jester Spins. Voilà,
Le truc des fois d'avoir les yeux rivés là-dessus sur une série de spins perdants, ça fout un peu les neurones en vrac. Alors, free spin de partie perdante. Espérons qu'il y ait quand même du gain à la clé. On a 0. Alors, étoile ici peut-être. 0 in à la clé également. Bon ben sans deck, les free spins sur cette machine à sous, s'il y a du 0 gain à la clé, c'est... Alors, triple Jester. Ok, Jester win. Bon, j'espère que le compteur va bien grimper. Ben voilà, 400 balles. Bon, ben, un win à 400, pile poil 1x10 par rapport à la mise. C'est quand même pas énorme pour les parties bonus. Alors, le 7, ça m'étonnerait. Bon, fallait pas rêver. Bon ben je crois que... Eh ouais, on aura eu un seul win à 400 balles, donc le dernier spin. Peut-être un second win, mais ça semble peu probable. Eh ben voilà, 400 balles de gagner sur les bonus. Un peu déçu quand même, à peine 1x10 par rapport à la mise. Pas l'air top ce machine à sous. Trois Jester paye jusqu'à x500 dans les Jester spin. D'accord, ça doit pas arriver souvent. Je vais quand même baisser mes mises parce que ce jeu là il est quand même... Il m'inspire pas trop confiance. Alors 160, ça aurait été 320 pour une mise à 40. Un petit essai sur cette machine à sous, le Jester Spins, mais je pense que quand même cette machine à sous je la mettrai de côté, ça m'étonnerait que je la reteste. Puis là c'est clair, c'est un peu comme un film d'horreur, c'est que des spins perdants, spin sur spin, que de la paire, donc ça me motive pas trop pour motiver à rejouer à ce jeu. Alors, Jester Cacahuète. Jester Cacahuète, il est là. Est-ce qu'il va raquer un peu plus de 400 balles comme il a fait précédemment? Alors, premier spin, total win 0. Alors, 160 balles, c'est vrai qu'on est qu'avec des mises à 20. Ouais, les 7. Ceux-là, avant de gagner, j'imagine qu'il faut se lever tôt. Alors, surprise, ben non, pas surprise. Alors, triple Jester sur le dernier spin. Trois cent vingt balles.
Ok, donc on monte à 600 de total win. Un petit peu mieux que le précédent bonus. Ça aurait été des mises à 40, ça aurait fait 1200. 1, 2530, ok. Ouais, je pense que je vais quand même fixer une limite entre 1500 et 2000 si ça perd. Alors, Jester, Jester. Alors celui-là, les mises maxi, c'est combien? 100 balles, ouais, mais ça motive pas du tout à envoyer des spins à 100. Là, c'est clair que j'aurais envoyé des spins à 100 sur ce jeu, ça ferait une plombe que je serais déjà à zéro. Alors, 240. Bon, c'est vrai qu'après les machines à sous comme ça, pour une mise à 20, là par exemple, ça paye 120, donc on comprend qu'entre chaque win, il y a quand même beaucoup de spin perdant. Allez, on va se relâcher un petit peu, tentative sur des mises à 40. Dommage. Bon, tentative ultime, je pense que je vais me fixer une limite à 2000 balles, donc très probablement un arrêt de partie dans pas longtemps. Balles. Alors un petit Jester, parce que là il nous restait un spin. Et ben voilà, Jester spin. Alors qu'est-ce que ça va nous pondre? Bon, peut-être après ça, un arrêt de partie direct serait pas plus mal, parce que ce jeu-là, je le sens pas trop. Bon, bah, total win pour le moment, c'est 0. Alors, Jester win, point d'interrogation, 100 balles. Un petit peu léger niveau win. Ouais, les 7 rouges c'est joli mais ça sort pas souvent. Alors 3 Jester Spin de restant. Bon, ben, je pense qu'ils vont raquer 100 balles, rien de plus. Alors dernier spin. Ben voilà, 100 balles sur les parties bonus, 1 fois 5 par rapport à la mise qui est de 20 balles de spin. Alors, 2110, 2110, c'est ce qui nous restait. Alors, on va attaquer d'entrée avec des mises à 20.
Bon, apparemment, il y a pas mal de bonus divers sur ce jeu, mais reste encore faut-il les gagner. Alors, on va essayer des mises à 40. Apparemment, la série de spin perdant, elle n'est pas encore terminée. On a déjà dégringolé la mise 5, on va faire un retour sur des mises à 20. Ouais, cacahuète. Alors, est-ce qu'on va encore pouvoir plumer ce casino en se tapant un gros win? C'est pas évident. Alors un petit bonus. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors lucky bonus, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous pondre? x800 serait pas mal. x700 ok. x600. Avant le x100, il y a les fois cacahuètes. Ça va pas être évident de parcourir tout ce chemin. Alors, on va prendre celle-là. Bon, mais ça m'étonnerait qu'on arrive au x100, mais... On va tenter tant bien que mal de faire avancer ce petit bonhomme. 3 plus again. Je pense que quand c'est marqué plus stop, c'est là que c'est l'arrêt du bonus. Ah, allez, on va prendre celle-là. Allez, plus again. Ok, cool. Je pensais qu'il allait me faire un plus stop. Alors on avance de 6. Donc on est au x16. Ok, tant qu'il y a le gain, c'est que c'est pas encore terminé. Alors quelle va être la prochaine? Et 3 plus 2. J'espère qu'il va me pondre le gain. Ok, cool. Bon, ben là, on avance de 5. C'est pas trop mal. Mais il y a encore du chemin avant d'arriver au x100. Allez, go pour celle-là. Alors j'ai quand même l'impression que les bonnes choses vont avoir une fin, mais c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Ah bah ouais, il m'a pas marqué le gain, donc plus x30, on s'arrête ici. Ah ouais, c'était déjà pas évident d'arriver là, donc... Ah ouais, 600 balles, 30 x 20. Alors du coup 2064. Alors, est-ce qu'il va nous prendre encore un bonus? C'est vrai qu'il y a plusieurs bonus de dispo sur ce jeu, mais c'est bien sûr pas évident de les gagner. Alors, est-ce que ça va être un leurre? Ah non, le petit bonhomme, il est là.
Random Wilds. Ok, joker aléatoire. J'espère qu'il va bien les placer. Ok, s'il peut me faire une lignée, ce serait pas mal. 114. Alors on va retester des mises à 40. Alors, il se barre sous mes yeux le rat. Et voilà, il s'est barré le deuxième. Alors, les rouleaux. La connexion qui plante un peu. Franchement, ça m'étonnerait. Voilà, on le regarde, il se barre sous nos yeux. Alors, 1554, je vais lâcher les mises à 40 balles. Alors, de ce côté-là, ça dégringole, 1238. On va tenter une petite tentative ultime, mise à 60, ça c'est peut-être pas une bonne idée. Un bon moyen de se rapprocher du zéro, sauf si éventuellement le jeu y file un win sympathique ou un bonus plutôt généreux. Alors, eh ouais, dommage. Bon ben là je crois que ça sent l'appel du triple zéro pointé. Sauf si le jeu nous file un beau truc, il nous fait une jolie remontée, mais franchement j'y crois pas trop. Là, c'est peine perdue. Hop. Alors, est-ce qu'il va nous prendre un gros truc? Il nous reste 56.
Lucky Nudge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, dommage pour le rouleau 4. Mais quand même, on se tape un big win. Ouais, 600 balles. Du coup, 656. Alors, me fais pas un leurre ici, ok. Lucky Reels, d'accord, on va voir ce que c'est. Ça pouvait faire gonfler ce montant en haut à gauche. Alors, voyons voir. Ça, c'est peut-être pas mal. Alors, suspense, hein, jusqu'où ça va aller. Bon, allez, je suis curieux, je clique. 1350 super win. Bon ben là je pense que je vais lâcher l'affaire parce que j'étais persuadé d'arriver à zéro avec ce jeu, donc c'est quand même pas trop mal. Je commence à 2110, je termine à 1934, on esquive le zéro. Allez go, au bonheur la chance. Ouais, d'entrée ça aurait été trop beau. Alors on va essayer ça, mise à 40. Alors, un petit miracle. Allez, c'est parti, un tour de la roue de la fortune. Allez, du coup on a 3 spins. Bon, espérons que ça puisse raquer du lourd. On a 1806. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Double hall, plus 4 to hall, plus 3 spins, point d'interrogation. Bon, là on a eu la cacahuète du x2. Allez, spin numéro 2. Le x10. Bon, c'est déjà mieux que le x2. Allez, dernier spin. Plus 3 spins, c'est pas mal du tout. Ouais, je pense que c'est le mieux à gagner. Alors le point d'interrogation, c'est ça c'est la surprise. Alors on a x22, qu'est-ce qui va nous sortir? Plus 3 spins, c'est pas mal. Alors, 2x2, ça c'est pas top. Y avoir le truc mystère, alors x27. Voilà, x10. Allez, dernier spin. Ok, bon, on monte à x47. On va voir donc. Et voilà, 1880 au total. Pas mal, pas mal. Bon bah quasiment d'entrée en début de partie, c'est quand même hyper chanceux, hyper miraculeux, 3686. C'est ce qu'on peut appeler un sacré coup de bol. Bon, je précise, malheureusement c'est un coup de chance, le bonus il est sorti d'entrée en début de jeu, mais c'est quand même plutôt rare. Effectivement, des fois, il faut jouer pendant une plombe avant de pouvoir décrocher ce fameux bonus. Enfin, bonne nouvelle, pour moi, le jeu l'a bien raqué, donc on n'est pas encore à zéro. On a fait même un joli bénef, je rappelle, j'ai commencé cette partie à 1934, donc...
c'est clair que je peux me considérer chanceux sur cette partie. Bon, malheureusement, avec ce genre de jeu, bien sûr, la chance a tout le temps une fin, donc tôt ou tard, ce sera la torchade. Alors, deuxième round du bonus wheel serait pas de refus. Allez, vas-y. On va essayer de pas trop renier le bénéf, mais avec des mises à 40, c'est éventuellement ce qui risque d'arriver. Allez hop, mise à 20. Le bonus il a été généreux, mais après le bonus sur le jeu de base, là ça paye que dalle. Là c'est en train même de bien renier le bénéf. De réduire les mises à 20, c'était franchement pas une mauvaise idée. Alors, est-ce qu'il va nous reprendre un truc sympa? Parce que là, on a enquille cacahuète ou spin perdant. Alors, 2558. Ce serait dommage de redégringoler vers les 1934 la balance de départ de ce même jeu. Après ce joli bénéf du bonus wheel, ce serait bien dommage. Ouais, magnifique début de partie, le bonus d'entrée. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Mystic Wheel. Ah d'accord, c'était pas mal niveau leurre. Je me suis dit ça y est, il va me sortir un truc sympa, mais non. Je pense que s'il me reprend le Mystic Wheel bonus, ça arrête partie directe après, mais j'ai comme un doute, c'est pas garanti qu'il puisse me le reprendre. Hein.
Alors un petit test chance. Ah ouais, il en manquait un. Ah ouais, mise maxi 40, d'accord. Je voulais tenter un spin à 60 balles, mais non, je suis au max. Bon ben, je crois que je vais faire chou blanc sur cette partie. Là, ça redégringole jusqu'à la balance de départ. J'étais à 1934 en début de partie. Je pense que là, on va y arriver. Allez, le petit miracle qui est pas là. Ben ça y est, on redégringole au niveau de la balance de départ. Ça y est, hop, joli bénéf d'entrée. Bénéf qui s'est fait rebouffer malheureusement. Bon bah du coup je pense que je vais lâcher l'affaire 1916, donc chou blanc, j'avais commencé à 1934. Alors 1916 de balance restante, toujours sur des mises à 20. Allez, quelques spins à 20, je vais enquiller les mises à 40. Allez, mise à 40, on y va. Bon, je précise, ça va peut-être se terminer à 0. Si le jeu il file que dalle pendant une plombe. Ouais, c'est vrai que le premier round sur ce jeu, joli bénéf d'entrée, on a eu le bonus win, mais par la suite, tout le bénéf s'est fait rebouffer. Alors, j'ai eu un leurre comme ça sur la première partie. Et là, il est en train de me faire le même, voilà. Bon, je crois que là, de toute façon, c'est à la guerre comme à la guerre. Mise à 40, je vais pousser la partie même si ça se termine à 0. Reste à espérer que le bonus will sorte, mais bien sûr c'est pas garanti. Et voilà, il en manquait un. Bon ben là si le bonus ou l'I sort pas, je pense que c'est direction 0, sauf si éventuellement il y a un gros win sur le jeu de base, mais ça c'est pas évident. Ben non, c'est toujours pas la bonne. Alors si cette fois il pouvait me faire autre chose qu'un leurre. Eh ben non, dernière chance, ben, il n'était pas là. Alors on est passé en dessous de la barre des 1000 balles. Donc là j'imagine c'est très probablement la dernière partie sur ce casino. Enfin du moins jusqu'au prochain dépôt ou...
Le petit rat. Alors, 798. Bon, bah, il était sympa le bonus wheel sur le round 1, enfin en début de partie, mais depuis on le voit plus donc. Alors 642. Bon, ben, fallait bientôt tout tard que ça se termine quand même en torchade sur un triple 0, donc là je pense qu'on y va tout droit. Comme on dit, les bonnes choses ont une fin, puis Madame Chance, elle peut pas être tout le temps présente à toutes les parties. Alors cacahuète. 68. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il me sort ça, mais au final il n'y a que dalle, donc j'espère que là sera la bonne. Eh ben non, toujours pas. Toujours un symbole de manquant à l'horizon. Les mises à 20 vu ce qu'il reste de toute façon. Je pense pas qu'on va faire long feu sur ce jeu. Le petit leurre. Et voilà. Bob en banquier, le dernier spin à 20 balles. Hop. Et voilà, peine perdue. Allez, spin à 10. Voilà, rien au final. Donc triple 0 pointé. Comme on dit, les bonnes chances ont une fin. Jolie première partie avec le bonus wheel. Par la suite, bah, les gains sont fait bouffer. Puis le round 2 triple 0. C'est clair que Madame Chance, elle ne peut pas être tout le temps présente au rendez-vous. Allez, à la prochaine, bisous à tous!